vacances. Bonjour les gaufrettes. Les semaines passent à une allure folle. Dernière semaine avant les vacances. Déjà? Oui. J'aimerais bien retourner à l'école, moi. En attendant, proposons une recette rapide et gourmande. Je vois très bien ce qu'on va pouvoir faire. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour gagner des fiches recettes. C'est parti, on se lave les mains et direction cuisine. Il faudra une pâte sablée, 200 g de chocolat blanc, 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème liquide et un œuf battu. Vous pouvez réaliser une pâte sablée maison en vous aidant de la vidéo de la tarte au citron. Je fonce un moule à tarte avec ma pâte. Je pique le fond à l'aide d'une fourchette et badigeonne d'œufs pour imperméabiliser la pâte. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes pour une cuisson à blanc. Retrouvez tous les secrets d'une cuisson à blanc dans la vidéo de la tarte au citron. Pendant ce temps, je répartis la crème à part égale dans deux casseroles et je porte à frémissement. Je verse le chocolat blanc haché dans l'une et dans l'autre le chocolat noir, lui aussi haché. Je mélange jusqu'à obtention de deux ganaches bien lisses. Je verse la ganache de chocolat noir dans le fond de ma tarte et verse ensuite délicatement la ganache chocolat blanc. À l'aide d'une fourchette, je réalise de jolies marbrures. Et ça part au frigo minimum 4 heures. Oh, tout chocolat! Ça va plaire aux gourmands! Oui, de 1 à 111 ans! Ce qui est bien avec ces tartes, c'est qu'elles sont déclinables à l'infini. Dites-nous en commentaire ce que vous aimez mettre dans vos tartes. Et quand vous réalisez une de nos recettes, prenez-la en photo et envoyez-la via les réseaux sociaux ou par mail. Tout est en barre d'infos. Et qui sait, nous pourrions faire une sélection et les publier dans une de nos vidéos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.